Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Mardi, les Américains choisiront à qui ils confieront les clés de la Maison-Blanche pour les quatre prochaines années. À deux jours du scrutin, la lutte demeure très serrée et l'issue du vote impossible à prédire. Le Canada se prépare depuis plusieurs mois à tous les scénarios pour limiter l'impact que pourrait avoir le résultat sur l'économie ici. Malgré cela, dans certains secteurs comme l'acier ou l'aluminium, les inquiétudes persistent. J'espère que le gouvernement va se mobiliser parce que c'est un enjeu pour l'ensemble de l'économie canadienne, pour notre secteur comme pour le secteur de l'acier. Euh, c'est fondamental. Préparer une réponse à la tarification, probablement avec une tarification similaire ou réciproque, pour protéger notre industrie du côté canadien. François-Philippe Champagne, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Bon, euh, vous avez... Euh, il, y a, il y a des gens du monde de l'acier, du monde de l'aluminium au mm -hmm. Canada qui sont très inquiets de ce qui va se passer aux États-Unis euh, mardi, à la suite de la campagne présidentielle. Est-ce que ces inquiétudes-là sont justifiées, selon vous? Bien, moi, ce que je dirais aux travailleurs, aux travailleuses de l'acier et de l'aluminium, c'est qu'on a toujours été avec eux. Hein. Ils, ils le savent, on a été avec eux... Euh, à, à toutes les étapes. Mais ont raison d'être Bien, je veux dire, euh, je ne peux pas parler pour eux dans un sens. Je peux comprendre qu'ils ils regardent pour l'industrie, mais c'est deux industries qui sont clés dans l'économie canadienne. Puis je pense que si euh, ils sont avec nous aujourd'hui, je pense qu'ils devraient regarder ce qu'on a fait dans le passé. Puis s'il y a une chose qui est claire, on a toujours été là. Et, et là, je vous dirais même, parce que j'en profite, euh, M. Thibault, euh, quand je regarde l'intégration des chaînes d'approvisionnement, parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que le monde a changé. Non, mais, mais, mais on ferme... dit tout le temps ça, l'intégration. Non, non, ben, non, non c'est pas la même chose. Le monde a changé. Depuis que vous puis moi, on a fait les premières entrevues il y a 10 ans, puis aujourd'hui, moi, je peux vous dire, moi, je suis aux États-Unis, je parle aux collègues américains. Quand j'ai commencé ma carrière, M. Thibault, on parlait aux gens du commerce. Maintenant, on parle aux gens de la sécurité nationale. Ce qui arrive présentement dans les chaînes d'approvisionnement, on parle de sécurité nationale parce que la sécurité économique, c'est la sécurité nationale. Mais on a souvent parlé de la nature intégrée des deux économies, puis ça n'a pas empêché les États-Unis d'aller de l'avant, puis d'imposer des tarifs, d'imposer des mesures protectionnistes. Puis le Canada en a fait les frais. Puis il y a des gens aujourd'hui qui regardent ça puis qui se disent, c'est arrivé dans le passé, pourquoi ça n'arriverait pas plus tard? Bien, moi, je dirais, on, on est dans une place qui est, qui est largement différente. Je vous donne trois exemples. Rappelez-vous quand je, je parlais souvent des semi-conducteurs, hein? le fait que 80 des, des semi-conducteurs produits en Amérique du Nord, la dernière phase de l'assemblage, c'est chez nous au Québec, à Bromont. Première chose. Le titane. Maintenant, le plus grand site de titane des pays de l'Ouest se trouve à Sorel au Québec pour l'industrie. De la défense américaine. Vous parlez de autres. minéraux critiques. Là. Bien, je vous parle de minéraux critiques, mais je vous parle de choses qui sont dans, dans l'intérêt national de nos voisins américains. Donc, si à l'époque. l'acier, on... ça rentre là-dedans, c'est ça? Bien, moi, je vous dirais, dans, dans une chaîne intégrée où on est maintenant, dans un monde en pleine turbulence, moi, je sais souvent, on est passé du bon voisinage à un partenaire stratégique. Alors, je vous dirais, on est dans une position différente de ce qu'on a connu à l'époque parce que maintenant, on est plus interdépendant qu'on l'était avant. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui vous inquiète dans le contexte politique actuel aux États-Unis? Comme ministre de l'Industrie, quelles sont vos inquiétudes? Bien, je veux que la place du Canada au niveau économique soit centrale dans le développement d'une politique de croissance en Amérique du Nord. Et ça, on a besoin de, de le rappeler, on a besoin de faire les liens, on, on a besoin de continuer de, euh, de, de, de s'engager de façon très proactive comme on le fait. Moi, je vois déjà des dividendes de ce qu'on a fait avec Équipe Canada, et ça doit continuer. Il y a des approches, tant du côté démocrate que du côté républicain, peut-être davantage du côté républicain dans le discours de M. Trump. Il y a quand même, a quand même un ton très protectionniste. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Bien, moi, je vous dirais que quand on parle aux équipes de l'un de l'autre, euh, ils comprennent l'exceptionnalité du Canada d'une certaine façon. Alors, ça, ça nous donne... Si vous me demandez ce que j'ai plus de levier aujourd'hui qu'on en avait à l'époque, moi, je pense que oui, parce que la nature de l'économie est plus intégrée. Et l'état du monde est très différent. Et M. Trump, quand il parle d'imposer des tarifs aux biens qui sont produits à l'extérieur des États-Unis, il ne dit pas ⁇ sauf pour les biens faits au Canada. ⁇ Et, et, et j'en conviens. Par contre, je peux vous dire que les interventions qu'on a faites, parce que, vous savez, nous, notre rôle, c'est de voir tout ce qui se dit, de, de, de prendre, d'analyser tout ça, mais c'est aussi de parler avec les équipes de l'un et de l'autre. Pour être sûr que les enjeux géostratégiques sont bien compris. Est-ce qu'ils sont compris? Est -ce que, parce ah, que s'ils qu étaient compris, il me semble qu'on aurait droit à une exception oui, dans mais le discours. Vous non? savez, il y a beaucoup de choses qui se disent durant les campagnes, comme vous imaginez. C'est normal. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais quand vous arrivez à une deuxième étape où là, vous parlez avec des gens euh, qui sont proches dans les deux équipes, et quand on met de l'avant ce que. La, la, la nature stratégique de la relation, je vous dirais que la discussion change. On a travaillé avec des administrations autant républicaines que démocrates. On connaît des gens des deux côtés. On sait les enjeux qui, 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 font, euh, qui préoccupent l'un et l'autre. Mais je vous dirais, par exemple, l'agenda que je vous ai décrit là, c'est un agenda bipartisan. Parce que quand vous êtes aux États-Unis, vous parlez de sécurité, croyez-moi, tout le monde vous écoute. Vous parlez de chaîne d'approvisionnement résiliente, tout le monde en parle. Vous parlez de croissance économique. En disant qu'une décision d'un côté de la frontière va avoir un impact des deux côtés. Dans une relation, on échange un milliard par jour. Ouais. Premier partenaire économique des États-Unis, ça compte. En, de, en 2016, on, on, vous disiez, ils nous écoutent, ils nous écoutent. Puis les États-Unis avaient quand même, M. Trump avait quand même imposé des tarifs sur un certain nombre de, 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 de biens, produits canadiens. Si c'était le cas encore, en 2016, vous aviez riposté. Êtes-vous prêt à riposter? On, on a toujours défendu. Euh, les intérêts canadiens. On a toujours défendu l'industrie, on a toujours défendu les travailleurs et on le fera toujours parce que c'est notre rôle. Alors, c'est sûr qu'on regarde ce qui se dit de l'autre côté de la frontière durant la campagne. On n'est pas au moment de faire des, des, euh, des suppositions à savoir ce qui pourrait arriver, mais ce que je vous dis, c'est qu'on est bien préparé, on a analysé les différents scénarios, puis on est prêt à défendre les intérêts canadiens. Comme on... puis, je vous dirais qu'on est en meilleure position maintenant. Qu'on l'a jamais été dans cette relation bilatérale-là, au vu de l'état du monde aussi. Mais si vous avez besoin, si ça finit par se traduire par il faut riposter avec des tarifs, vous êtes prêt à entrer dans le bureau du Premier ministre et dire, lui dire, il faut aller de l'avant ben, avec des tarifs. Pas besoin de rentrer dans son bureau. Il était là quand on quand on le fait. Écoutez, on n'est pas rendu là. Vous là, vous êtes déjà passé mardi. On, on va on va rester où on est aujourd'hui. On va regarder ce qui vient dans le futur mais, mais ce que je vous dis qui a changé c'est ça faut faut comprendre la base quand je vous disais tantôt que à l'époque je parlais au département du commerce et maintenant à ceux qu'on parle c'est les gens de la sécurité nationale c'est à ce niveau-là maintenant qu'on parle pourquoi parce que ce que je vous ai dit tantôt du titane pensez-vous qu'ils ne sont pas au courant Washington qui dépendent de Sorel Est-ce que vous êtes satisfait des entrées que vous avez des, des, des contacts que vous avez établis de l'autre côté de la frontière est-ce que vous êtes allé aussi loin que vous vouliez y aller à ce stade -ci. Ça, vous me connaissez. Je veux toujours faire plus. J'aurais aimé ça en faire plus. Mais bon, le, le temps a, nous, nous a permis de bien faire les choses. Moi, je, je, vous avez je vos regarde. entrées chez les démocrates, chez les républicains, j mais, j là où j vous voulez aller. J'ai les numéros de téléphone dont j'ai besoin. J'ai le sentiment, j'ai la conviction, oui, qu'on on a les bonnes entrées pour envoyer les bons messages. Scénario, scénario d'une un, victoire de M. Trump, certains disent que la filière batterie pourrait être en péril, ou en tout, à tout le moins, il pourrait y avoir de l'incertitude là-dedans. Vous avez beaucoup misé sur la filière batterie au Canada. Est-ce qu'il est qu y a un danger que cette filière-là soit malmenée par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? Écoutez, euh, on, on a saisi une opportunité générationnelle, et, et ça pour moi… Euh, quand on regarde, ça fait 100 ans qu'on fait. De... Ouais, mais c'est beaucoup d'argent dans attendez, un contexte. Oui, attendez, on n'a pas mis beaucoup d'argent en date. Là, ça, je vous corrige là-dessus. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis par les compagnies, mais il y a très peu d'argent qui a été mis par les gouvernements en date parce que ce que nous on a structuré, nous, c'est un crédit à la production. Mais vous avez misé sur cette industrie-là ben, pour la croissance. Mais pas juste moi. Vous avez Honda, le plus grand investissement de l'histoire de Honda. 75 ans d'histoire, 19 milliards qu'ils investissent au Canada. Volkswagen, en dehors de l'Allemagne, malgré ce qu'ils ont annoncé en Allemagne, l'usine de Saint-Thomas sera l'une des plus grandes au monde. Vous regardez l'usine de Stellantis, c'est fini. Alors, moi, je vous dirais, si vous regardez les grands joueurs, nous, on a misé, mais ils ont misé pas mal. Mais, mais donc, dans la, ça. La, la, la bonne santé de cette filière-là ne vous inquiète pas. Vous non, êtes convaincu que, que ça va L'Étoile du Nord, on s'en va vers l'électrification. Maintenant, si vous me dites, Monsieur Champagne, est-ce qu'il y a des ajustements? C'est normal. Ça fait 100 ans qu'on fait la même chose. Quand vous passez d'une technologie de rupture après 100 ans, vous dites, on fait d'autres choses, c'est sûr qu'il y a des ajustements de marché, de technologie, d'habitude des consommateurs. Mais nous, ce qu'on mise, parce que quand on est. Quand on est au gouvernement, il faut regarder non seulement sur, sur les, les cinq prochaines années, mais les 10, 20, 30 ans. Le PDG de Volkswagen, quand il est venu, parlait de 100 ans. Il disait « Monsieur Champagne, nous, on est ici pour un siècle. » Alors, vous voyez, ce qu'on voit, je comprends qu'on réagit aux nouvelles maintenant, puis je comprends qu'il peut y avoir un peu d'inquiétude, c'est normal. Mais quand vous parlez au PDG des grandes entreprises, quand vous avez quelqu'un de l'autre côté qui dit « Moi, je regarde ça sur un siècle », on n'est pas sur les mêmes échéanciers. Mardi, qui va gagner euh, Je n'ai pas de boule de cristal, mais certainement, quand on lit et quand on regarde, ça, ça, ça sera certainement serré. Alors, on, on, on aura la chance au plus, moi, de voir euh, mardi dans les jours qui suivent. Mais la, la chose importante pour les gens qui nous regardent, c'est qu'on sera prêt. François-Philippe Champagne, merci. Merci à vous.